quel que soit le monde qui essaie de camper en face de Bois Calé, hein, Bois a gardé le quand même. Quel que soit le monde. Quel que soit le monde. Comment peut-on expliquer le Bois Calé aujourd'hui? Bon, moi, mon paquet de monde qui saisit de Bois Calé. Hein. Mais Bois Calé, on traverse l'histoire. Déjà. De 1804 à 1915, moi-même, moi, recensé plus que 110 injections qui étaient faites. À partir de 86 à date, on prend tout mouvement de protestation. Là. Mais t'es quoi appareil qui t'a pesé, nous, qui l'appareil répressif nord-américain. À chaque fois, nous commençons un mouvement tout faible. Donc, c'est pour ça que les cacos et les piquets n'ont pas pu descendre. Grève de la faim, Bois Calé, Pays Loc, ce sont des injections avortées. Parce que, depuis 1915, on a désarmé le paysan qui était le baron des mouvements injurectionnels. Donc, désarmé et édenté, c'est au milieu qui n'a loupé un prolétariat, utiliser loupé un prolétariat pour des mouvements. Et même ceux qui mobilisent ces gens, en un moment, ils sont récupérés et ils tuent le mouvement. Parce que la phrase est très simple. Ils sont, l'idée non aspect positif. On passe plus de temps dans la vie courante qu'au pouvoir. Maintenant, la lutte, c'est d'essayer de passer le moins de temps possible en dehors du pouvoir. L'opposition ne rapporte pas. C'est le pouvoir. Non, c'est le pouvoir qui est rentable. Rentable et bancable. Le pouvoir donne droit à un certain nombre de privilèges. Et nous l'avons constaté, à chaque fois qu'un mouvement de caractère injurectionnel, donc qui protestation en face de protestation parce que pas des âmes qui entrent là-dedans, très vite, il va être ennemi, parce que le donneur, l'organisateur, presse sur un autre bouton, parce qu'il n'est plus de l'opposition. Immédiatement, comme l'aime répéter notre ami commun, ta plume. Des pour mettre Zeb dans bouche au pain. Or, c'est ça la vie là. C'est pas nouveau. Simplement, les gros non nouveaux. Et deuxièmement, ce qu'il y a de fondamental, son mouvement qui est ennemi quand on traîne de poudre. C'est-à-dire, il y a eu un élément déclencheur. Et moi, j'ai la certitude qu'il n'y a pas eu de spontanéité au Canada vert. C'est vrai? Ah ouais, pour moi, il n'y a pas eu de spontanéité. Un véhicule sous contrôle du CAO, depuis Thomasin, qui traverse Pétionville, qui traverse des zones inhabitées du Canavé vert. On ne l'arrête pas, on arrête le pour fouiller, non marée humaine. Marché Canavé vert, station autocyclette, station tap-tap. À partir de ce moment, la dérive était annoncée. La dérive était annoncée. Annoncée ou planifiée? Planifiée. Et immédiatement faite. Immédiatement faite. Mais écoutez, pour qu'ils soient arrivés, la dérive, parce que non, discours normal, si l'État existe, c'est qu'à passer là, on va de gain. Mais malheureusement, vu le naufrage titanicesque de l'État, qui a pour première fonction de protéger, on va même dire de protéger, de respecter la dignité de la vie humaine. Or, ces états successifs ont créé l'indignité de la lutte pour la survie. On va même vivre, lui. Je l'ai signalé. Oui. M'entendez des scoops. Les publicités sont là. S'il n'y avait pas un consensus avec ton équipe de journalistes, donc il rajoute top femme, ou prend un coup, l'augmentation de l'argent, la disparition des sponsors et l'augmentation de 100% de l'essence. S'il y a un coup contre la liberté de la presse, c'est d'avoir créé ces conditions. Dans tout pays sérieux, on aurait pu s'asseoir avec la presse pour maintenir cette vie, cette capacité de dire « faut être capable d'essence l'en plus préférentiel ». Oui. S'ouvrir la presse avec les. Moi, nous, ça me dit. Et ça fait, bon, je l'ai prouvé, ça fait, beaucoup, majorité télévision, pas fonctionné. Tu vas voir. Même dit dérive là, sont des livres qui viennent, font constat d'un échec patent, d'un échec
total de ce droit fondamental à la vie, du respect de la vie et de la dignité. Mais, vous êtes en même, est-ce que leur monde, ou bien un groupe monde, exerçait de la violence contre le peuple, a désarmé à un certain moment, est-ce que le peuple a joint pour tirer revanche, pour faire revanche-lui? Est-ce que là, ou qu'a parlé de dérive, n'a ça ça? On a dit dérive là, et m'expliquer où. On a tellement bien peuple ça a menti. Peuple vient chita, non inertie, l'a subi. Et l'a subi différentes formes de violence. Violence symbolique état inexistant. Et violence réelle gang de état inexistant. Ça, les gouvernants inexistants ont permis et ont favorisé la création. M'de dit depuis 2 ans et demi, comme t'es dit ici, là. Nous ne sommes plus dans une histoire de gang de banditisme. Parce que le banditisme se définit par le maintien d'une vie économique pour le café l'argent. Dans tout pays au monde côté de mafia, ce sont les jeux du hasard, la prostitution et la vente d'alcool qui va au plus l'argent. En Haïti, on a tué ces activités. Le peuple est tombé dans une léthargie totale. Dans un sommeil profond, dans un sommeil hivernal comme un ours. On vit dans merdelle à un dernier moment, elle vient réaction l'ours là. L'a dévoré où? L'a dévoré où? Et ça là, et même personnellement, les maps suivent le mouvement, yo, m'a tendé ça mon y'a dit, hein, à penser qu'un cal dodo meya. On est spécialiste dans le mensonge, yo. Spécialiste de fortune là tout le temps. Et ils ont peur de parler, et ce depuis à peu près 4 semaines. Donc le voix calée n'est pas un mouvement anti-gang. C'est un mouvement pour restaurer la dignité et la liberté. La plus loin, pour moi, la plus loin que ça. Que ça. Et on dit, on a fini avec les premières causes, là, sa patte là, qu'on vient de prendre mon cassin, nous allons prendre soulier lacé, nous allons prendre nègre à chemise, nous allons prendre nègre à goyabelle, nègre à costume et nègre à smoking. Donc, si nous ne pas comprendre le phénomène, ça, et je vous dis le propos introductif, si rapidement, on ne réagit pas pour donner un plein sens à ce mouvement qui est en train de naître et de s'étendre, n'a privé en côté que n'a pas du contrôle. On va arriver réellement à ce moment à une phase insurrectionnelle. On claire son bagage. Prend 86, prend tout bagage à eux. Il y a toujours eu des femmes vagabondes. Mais quand même, dans le mouvement, ça, il y a des grands respect pour la vie des femmes. Il y a des mal de petites tapes que je ne pas recommencer. Fois ça, il pas de maman, pas de petite, pas de papa. Tout le monde passé dans le bois canet. C'est-à-dire que nous fûmes intolérants. Nous reconnaissons que nous sommes tolérants. Nous reconnaissons que nous sommes gardés. Nous te reconnaissons que nous sommes spectateurs passifs. Nous te croyons, bon bagage qui est pas fait. On menait un bateau. Nous-mêmes, nous sommes dans la chaloupe coulée, hein? Ou même dans un yacht, là, ou à boire champagne, dans les meilleurs bars de Pétionville, Coulier nous dit, c'est assez. C'est assez. Parce que cette majorité estime que le pays est un pays de recherche. Il ne faut pas oublier, sociologiquement, un élément important qui crée le mouvement ça, le phénomène Biden. Comment tu expliques ça? Mais les gens ne croient pas de Biden lui-même. Léger. Il est arrivé, il est reculé. Donc, seule chance libre. Il n'y a pas issu de secours encore. Seule chance libre. C'est vivre dans le pays. C'est vivre dans le pays. Pour le vivre dans le pays, il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer. Pied à terre, mais la privée, son sac de mon cas, c'est sac de souliers. Si, nous pas immédiatement entamer un dialogue. Mais écoute, Lugus, il y a plusieurs moments et plusieurs temps de dialogue, il y a plusieurs essais que vous faites déjà dans le dialogue. Mais dialogue, ça à quoi parler, c'est pas dialogue de sourd. C'est un dialogue sous véritable problème. L'autre est en retour.
Même mon phrase ou citation qui près de Lénine qui te dit la révolution devient possible quand les classes d'en haut ne peuvent plus vivre comme auparavant et quand les classes d'en bas ne veulent plus vivre comme avant. Il y avait une illusion que les classes d'en haut pouvaient continuer à vivre de la même manière. Ils rendent compte de plus en plus de agents de sécurité barbelés, à voiture blindée, indice 3, à voiture blindée, indice 6, couillant soit dans certaines compagnies de la place, je ne vais pas publicité, ne pas citer non, majorité a passé dans indice blindage 9. Le plus haut indice. Bon, sauf cas particulier, machine président américain. Ils rendent compte tout que malgré tout, ça ne va pas. Ça ne les protège pas. Donc, ils ont eu l'illusion qu'ils contrôlaient la situation, et maintenant, cette illusion est en train de partir. Ils ont eu l'impression, du haut de leur surmoi, de leur ego démesuré, qu'ils contrôlaient les gangs, et maintenant, ils sont à la merci de ces gangs. Tu donnais 5 gourdes à un gang à la fin de chaque mois, gang arrivait le double les 1000, mon seul action qu'on a posé, c'est balle 1000 parce que la presse va aller. Parce que les vins touchent, la vine beaucoup de lit. Les vins avec tout le monde au sol. Et c'est un rendez-vous. Un rendez-vous. Et de temps, ça va se passer au bout d'un petit malade. Oui. Une classe en bas, lui-même, d'entrer dans l'étagie, elle t'a pris nos marteaux. Entre le club et le marteau. Ils vont l'étape pour faire rien pour lui. Et en bas, ceux qui lui ressemblent. Donc, ça qui a été même Javel là. Ça qui saute dans la même zone que lui. Ça qui fait partie de l'open prolétariat, décider que faut tout faire, toute velléité de Saxo de Bayo de réaction. Cette réaction n'est pas la première. Cette réaction est la première à aboutir, à sortir des rues. La terreur exercée contre les gens dans les bidonvilles de Port-au-Prince. Et même dans les rues de Port-au-Prince, démontre très clairement que ce qu'on appelle les gangs, mais ce que moi j'appelle les terroristes, avaient pour mandat d'étouffer toute velléité et toute pensée de liberté. Gary, comment comprendre que dans l'équation à faire, on fait des statistiques. Combien de grenègues de kidnappés? Madame Poil vous présentait 2%, 3%, quantité de kidnappés. Combien de machines fritailles? Combien de machines? Combien de malheureux? Combien de monde qui a travaillé avec un monde qui n'a pas petit? Ils représentent à peu près 90%. Reste 7% flottant, c'est peut-être ceux de la classe moyenne, les fonctionnaires. Donc, voilà qu'un mouvement se disant pour le peuple. Parce que, issu de la majorité, les petits peuples en créole, peuple, issu de la majorité, hein, monde a plus fait mal. Là. C'est le peuple. Ça combat même jamais. Ouais. Nous-mêmes, nous disons, nous ne pas comprendre, mais c'était voulu. C'était voulu. Il fallait faire taire toute velléité de réaction. De gousse. Ils ont masqué, ou on l'État pas prêt à défense. Je dis l'État, c'est nous. Ou on gouvernement pas prêt à défense. Ou bien, ça nous a toujours discuté, on voit pour moi 25 ans, l'absence totale d'élite dans le pays qui pas prêt à défense, pas responsabilité, parce que lui-même l'a commodé. Lui-même, mon boulot. C'est que rouge latine ou pétri le jour lé. Il prend forme qu'on voulait, on prend le nom qu'on veut, on pèse le Liban. Après ça, on prend majorité ça, qui soutient le peuple, et on balance l'âme pour dire pour créer la stabilité, mais c'est pour créer l'instabilité, pour mettre l'État à genoux, parce que le gars a l'IRS déjà à gouvernement. Et pour maintenir cette majorité dans un silence de cimetière. Auguste Neveza, je vais poser une question ça avant de passer à Marco. Monsieur comprend. Ouais, c'est son porte-parole pour la population à travers la question qu'il m'a posée. Comment quelqu'un qui t'est poté non militant et qui bataille à côté de certains monde qui chaque parti politique, qui des députés, des sénateurs, qui aujourd'hui se retrouve au pouvoir. Comment militant ça fait sortir de stade de militance pour passer à un stade de négamé, d'assassin, capturer monde, de destruction de biens de population
qui genre transition ça a fait jodia comme on connaît nous même nous pas citer nos monde on va ça me parle choquer personne. L'autre gros livre sociologie ou sciences politiques ou sur la science des idées, un militant est celui qui a une vision. Un militant est confortable. En Haïti, le militant est un chômeur. Le militant est un quémandeur. Il n'est même pas un demandeur d'autre, il est un quémandeur. Portant les anciennes chaussures de celui qu'il permet d'émerger. Là, le problème de militance n'a pas seulement tête. Il y a peut-être quelques rares hommes et femmes qui militent vraiment des pays, quelle que soit origine sociale. Mm-hmm. Mais la majorité, ce sont des vendeurs. Parce qu'on fait une histoire, ça ne pas citer non. Mm-hmm. On connaît le passé. En face ou là, combien de leaders passés qui déjà changé chemise 20 fois? De 86 à date, combien de partis politiques ont changé? Nos hommes politiques, malheureusement, ont seule idéologie, vent viré. Ce sont des jouettes. Ils s'adaptent à l'orientation du vent. Demain matin, excusez-moi, ou créons parti pour Bouchet. Nous estimons pour Bouchet à permettre de manger, émerger, il n'y a aucun problème à manger pour boire. Donc, il exploite Mounsayo, et c'est normal. N'est-ce pas compte? Ça dit tout le monde qui est dans l'ordre là. Majorité, hein, rendez compte que le continue dans la classe. Maman à papa, grand goût, lui-même, lui soit il fait journée à la bas de béton, à la prière là-bas, là, il tourne à la cali, lui va jouer rien. Et demain matin, il a prévu la même situation, hein. Là, le lever matin, lui mange un tasse nada, lui prend la rue. Pendant le sous-béton, hein, lui mange deux tasses en rien. Et à soi, là, il tourne à la cali, lui gon tasse nothing à faire avec lui. Et voilà l'autre nègre lui-même, qui t'habitait à mi-chemin devant Papa des Salines, font-il hausser l'allée Papa des Salines, et coulier, monsieur Allaire, hauteur. Inaccessible. Inaccessible. D'ailleurs, il n'y a pas une calée encore. Il n'y a pas arrivé à la calée parce que la calée, mieux qu'il y a 3 mètres, il y a un barbelé ou bien il y a un bar d'électricien. Il y a bon, simplement. Cher que la bain manger coûtait le plus cher que toute militaire, ça le bain militaire va moi. Parce qu'on sait manger chien. Combien c'est 4 000 gouttes. 20 000 gouttes. Oh, il y a un Rottweiler. Avec l'autre, il s'est dit, le mot d'eau, on va qu'à la gueule. Moi, je continue. Ouais, ouais, donc c'est ça le gain. Donc, on va qu'à venir la Cali. Pitbull. Pitbull. On va qu'à venir la Cali. Les gars, il y a une situation, ça. Soit les économie, à pédil, balle en 9 mm. Monsieur commencé à rassonner mon bol à Kali à 9 mm. Là. Monsieur commencé à rendre compte que le bon pouvoir. Or, l'arme est le prolongement du phallus. Or, l'homme estime toujours que par rapport à son phallus, plus il est grand, il possède. La situation a dégénéré, même mon cerveau balance en bilong. Assurant chez nous. Ah, c'est ça qui a privé. À chaque semaine, nous ballons monnaie. Je veux dire, monnaie ne pas permettre de transformer réellement conditions ville et conditions vie famille. Ça veut dire les bandits, ils sont sortis d'un lieu. Ils sortent d'un lieu, ils ont été produits par un lieu. Et celui qui se pensait créateur et patron de ces bandits a vite déchanté. Le bandit est celui qui tient l'arme. Le bandit est celui qui va arrêter, kidnapper un tel, parce qu'un tel emmerde le lieu, le patron. Je lui ai compte que le bon pouvoir phénoménal. On a créé une forme de macutisme à la François Duvalier. M'bois amenant, pas venir emmerder, m'vive. Et là, je lui ai compte que je voyais le bon monde. Il y a des gens, mais il n'y a pas l'argent. C'est balé au ballon. Je dis, oh, t'aimes pour l'expérience. T'aimes pour un green, pour me négocier directement, pour moi, pour me rendre bail. Là, je dis, il m'a dit 100 000 gouttes, c'est ce qu'on m'a dit.
L'autre dit, est-ce que mon gars bon de référence 80 000 $? J'ai dit, 80 000 $. Mais c'est 600 000 gouttes de l'économie, oui. Ils ont abandonné le patron. Ils sont devenus leur propre patron. Ils ont créé leur propre entreprise. Ils terrorisent non seulement le lieu, mensuellement, pour soi-disant leur donner une sécurité, mais quelle sécurité avez-vous? Vous ne pouvez pas dédouaner vos marchandises normalement. Vous augmentez les coûts de manière effroyable et les ventes baissent. Parce que la population n'a pas qu'à manger. Donc, il réduit la consommation. Mais qui je dois comprendre et analyser Mounsa qui était dans le même lieu commun avec Bandia, qui vient au pouvoir Jodia, et puis qui a baillé tête li, on satisfait, comme s'il était. Il renverse son régime, Jodia allait au pouvoir. Et puis, Mounsa, soi-disant, entre guillemets, militant qui est assassin, il a dénoncé publiquement. Il n'a pas renversé son régime. Il a renversé au monde pour qu'il occupe place Mounsa. Un changement de régime, bâti au principe d'un changement de vision, de philosophie, du rapport à l'autre. Au contraire, l'aile remplacer mon nom, et ce qu'il y a de plus odieux, on peut, moi-même, tout le monde connaît. Jovenel m'appelait papa, mais je ne fus pas de ceux privilégiés de Jovenel. Mais Gary connaît tout. Beaucoup de ses opposants, le soir vers les 9h-10h, étaient à Pèlerin 5. Oui, il y a des images, il y a des photos. Il y a des photos, et avaient leurs enveloppes. Mais le petit jeune ne comprenait pas que c'était ça. Ces hommes politiques se disaient grandiloquents et supérieurs par rapport aux autres. Oui. D'ailleurs, on l'a vu, on l'a vu en 2018. Et c'est là l'histoire, tu vois, c'est cette destruction. On a dit le moins qu'on a parlé de Jovenel, cette destruction de l'homme. Ils n'ont pas compris qu'en détruisant Jovenel, ils devenaient les yo-yo du lieu. Le lieu les a déjà quittés. Il est du lieu. Il est dans un lieu inaccessible à eux, même quand ils auront 10% de leur avoir. Les baptêmes ne sont pas pour eux. Les communions ne sont pas pour eux. D'ailleurs, pour les fuir, ils se marient à l'extérieur. Dans des lieux tellement huppés que si vous arrivez, on voit encore la coque qui sort chez vous quand vous marchez à un marché qu'on débouche du temps en temps. Il y avait mis ton écueil. Il y avait ton écueil. Parce que votre figure. Parce qu'on va vous quitter, c'est vous. Parce que qui j'ai comprendre pour me gagner respect pour vous, quand vous sortez de ce bidonville, et pour quelques lingots d'or, vous tuez pour moi au sein de ce bidonville, à chaque fois que vous violez une femme issue de ce milieu populaire, vous violez votre sœur, vous violez votre mère, vous violez votre grand-mère. On a déconstruit ces intermédiaires de façon que eux aussi, ils essaient de maintenir l'autre dans une situation de non-être. Mais ça, on te fait, c'est bien calculé, mal compté. Il y aura un compte-coulier, qu'ils sont honnis, qu'ils sont bannis, rejetés. Mon gars était loué Kaye, dans Vivi Michel, dans Belleville, population identifiée, côté habité, hein. Ils sont obligés de quitter. Ils sont retournés dans Kaye écrasé, numéro inconnu. Donc la promotion n'a pas été, a été rapide. Son fusée d'Elon Musk. Mais la chute aussi. Très bien. Merci. Est rapide. Merci beaucoup. C'est un petit content pour l'analyse au FEA. Et Gapil Nayo, qui te prend Marco en pile ou libre, et qui arrivait dans le stade côté où Gapil l'agent, mais ils ont été tout au moins sanctionnés et oubliés. Marco, bonsoir. Bonsoir Gary, attendez go. On va aller voir le monde de Mako. Non, Barry Negme, non, Barry Negme. Et les m'attendent là, Gougous, m'a pris en pleurs et gravité situation. Hein? Et Jean-Pierre Moun toujours dit,
groupe armé ou bien Jean Tabdila monsieur ça a théorisé population hein? Le regarder ou après dans doyo gagner en organisation et en pile monde dit yo pas que monsieur ça yo gagne suffisamment de matière grise pour modèle organisation ça que yo faire mais on se dit moun ki pi riche dans pays a yo même jodi a un blindage neuf c'est que quelque part yo senti yo ébranlé si m'ta utiliser mot ça toujours yo senti yo ébranlé et pouvoir nous gagner gouvernement nous gagner jodi a li do au mur et majorité active chez ça yo faire a yo fait li parmi moun ki plus semblé avec yo et ou même mettez chiffre sous li a plus de 90% mais monsieur jodi a organisation qui derrière ti monsieur ça yo k'ap fait zak sa yo et qui j'a pour nous wel qui j'a nous ka identifier qui origine pour nous ta penser que le gagné les presque toute couche dans société a ou tu ka considérer quelque part c'est des victimes de acte ça yo qui côté pour nous situer nous par rapport à ça gogos moi je pense que première étape là faut ta essayer situer historiquement à quel moment que nous arrivons créer ces monstres du secteur privé nos alliances avec Sanda Karele, que moi je refuse mon salaire depuis 96 dans l'émission de Fagari dans Télémax, qui nous est les élites intellectuelles et élites politiques. Toute élite intellectuelle en devenir une élite politique. Il y a des gens l'école longtemps qui décident au moment de quitter carrière yo, pour y aller de préférence totalement en politique. En politique. Non. Je ne suis pas confondu, mais ils ont une interaction en permanence. Il y a eu un ensemble de dérives de 86 à date que peut-être nous pas mesurer l'importance. Un acte important, ou bien deux actes importants, pour essayer de comprendre des rives là. En 86, le mouvement pour le drapeau. En urgence, nous changeons le drapeau. Il n'y a eu aucune réflexion historique, il n'y a rien eu, nous disons qu'il faut changer. Deuxièmement, c'était opération Rachemayoc. Qui nous créait une liaison entre les différents départements où les slogans véhiculaient plus vite que l'éclair. On va commencer là à Saint-Marc, deux minutes après, les gars, ils ont tout payé, tout le monde dans la rue. Donc, on a comment qu'on a mis en place des dispositifs réactifs. Mais qui est-ce qui est derrière les dispositifs réactifs, ça? J'en dis là, et moi, quand on a été kidnappé, un trou de mémoire. Est-ce qu'elle t'a dit ça dans l'entrevue qu'elle t'a fait avec en radio, ou bien c'est à moi seul qui t'a dit ça? Moi, monsieur, son ancien militaire américain, là, monsieur Sotien, monsieur dit, ils sont mieux organisés que nous. Il y a une hiérarchie. Sur le monde qui boit manger, hein, c'est pas dit qu'il boit de l'eau. Ça, mais nous, dans la toilette, là, c'est pas dit qu'il boit manger. Pour chaque tâche, il y a un responsable. Nous-mêmes, nous faisons tout le bagage. Ouais. Nous mettons tout le bagage. Pour moi, on est clair. Ils ont de bons conseillers financiers et économiques. Parce que cet argent est réinvesti dans l'économie. Changer pompe gasoline, qui était sous frontière haïtienne ou dominicaine,
dans zone avec les bouquets de oiseaux. Mm, le premier navel. Le premier navel. Le tel moment avec son privilège, on a déstructuré le marché de l'essence en Haïti. Longtemps, c'était des gens qui avaient des contrats pour prendre gaz et qu'on ne peut pas le bailler. Combien tu peux être un entrepreneur indépendant ou acheter gaz sur le la caille. À le ministère du commerce, combien vous avez n'importe qui, 300, 400, 500, 600, 100 personnes qui ont droit à acheter gaz dans la rue. Ou bien toi. Tout ça, c'est pour laver l'argent. Mm. Ça me dit, on parle d'une organisation avec des gens qui ont equity, electi. Parce que tout assaut ça à Cap-Bail, ou est Aurélie, Kambé, Tenel Agadash, ou plus faut passer dans le domaine ça, certainement, dans la communication de masse. C'est ce qu'on étudie. La stratégie communicationnelle. Elle est basée sur quoi? L'arrogance et le leader. Ou dit Bois-Calais, je dis Bal-Balé. Zambalé, Bal-Balé. C'est un jeu de mots. Un alphabet psychologique. Un alphabet pour la jeune nous, ça y est. Son niveau, son langage, que nègre étudié société. Tendez à appeler, hein. Monsieur, qui n'aime pas rien nous visite. Son effet sémiologie, l'étude des symboles, son gros symbole. Comme nous, nous prenons toute bagaille à la base. À la légère. À la légère, nous pensons son nègre, son chant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gens avec eux qui sont des gens qui maîtrisent parfaitement bien l'art de la communication, qui maîtrisent parfaitement bien les méthodes de gestion d'une masse monétaire importante. Alors, pensez qu'au bras d'un bas, là, depuis tant de gars, pas qu'il y a 3 millions, 4 millions de dollars cachés en bas. Non. On va venir une entreprise. Le peuple qu'on a appris de village de Dieu, il y a une histoire. D'accord? Village de Dieu, il y a une discothèque. Village de Dieu qui est salon de beauté. L'autre qui a kidnappé Dominique, l'autre qui a trouvé un magasin avec moi. Mais il y a créé une économie circulaire là. Alors c'est comme ça. Économie circulaire, ça a créé. Ils ont leurs fournisseurs à l'extérieur. Capot de vendre vêtements. Ils ont créé un circuit d'acquisition d'armes et de munitions qui contournait toutes les lois internationales et toutes les lois nationales. Donc, il y a des savoirs accumulés là. Et vous pensez que si nous ne prenons pas conscience de l'enracinement de patron de Tekon Bailot là, avec intermédiaire qui est venu jouer rôle là, et grande masse populaire là, si nous ne prenons pas comprendre, nous ne pouvons pas se la donner. Essayez de toujours banaliser les événements qui se passent en Haïti, nous toujours penser que ce sont des événements fortuits. Mais c'est non escalade, nous y est là. Seul espoir face à cette escalade, c'est une population qui retournait à croyance ancestrale, roche, bâton, manchette, qui campait en face des hommes armés et des policiers. Vivant dans ces quartiers difficiles, dans ces quartiers de pauvreté, qui c'est au même seul, qui ont 19 mm cap un cadre. Ce mouvement ne s'arrêtera pas facilement. Il est droit porteur d'espoir. Donc que si nous pas printemps, qu'on prenne pas la mounio, il y a des dérives. Il y a eu deux ou trois cas seulement de critiquer que c'est des mondes qui sont pas innocents. Maintenant, ouais, ils prennent plus de temps avant de exécuter. Si ouais, on pas des papiers, on pas des armes sur, on pas des balles sur, il y a maintenant des mondes qui sont venus identifier où. Mais moi qui n'ai pas retrouvé la misérie là. Parce que le message qu'on a, c'est Marco, que certains médias le tendent, et ils ont appliqué. Mais si on joue une balle dans la valise où, le jeune munition dans la valise, le jeune âme dans la valise, c'est le jugement expéditif.
Mais si on joue nous sans papier, il y a beaucoup d'escrocs au monde. Donc, il y a une organisation qui est en train de se mettre en place. S'il y a une spontanéité, ce que je n'y crois pas, totalement. Pourquoi le mouvement Bois-Calais a son bail planifié? Pas dit le planifié. Il y a sept passés devant Canapé Verlan, il y a eu un élément déclencheur. Voici mon hypothèse de travail. Il y a eu un élément déclencheur. Ce n'est pas spontanément. Ce n'est pas la première voiture avec mon examen. Il y a arrêté Canapé Verlan. Est-ce qu'il y a une quantité ça? Est-ce qu'il est aussi massif que ça passe Canapé Verlan? Mais c'est 12 quand même. Le là, plus alors, c'est 12 à 14. Le compte plus 12 à 14. Le compte plus un petit nombre. Il n'a pas fait rien. 12 à 14 ans, ça veut dire qu'il y avait une acceptation quelque part que ça allait se passer comme ça. Moi, je suis convaincu. Il y a quelqu'un qui a dit, mais yo. Il y a quelqu'un qui a incité à. À ce moment, on doit dire spontané, oui. Mais il y a eu incitation à. Et immédiatement, malheureusement, il y avait un mouvement sur Debussy. L'exemple de Carrefour-Feuille a réveillé l'héroïsme de ces gens qui vivaient dans les quartiers pauvres, qui disent, bon, mourir pour nous mourir, pour loger. Mais est-ce qu'on pense, Gougous, et mouvement Bois-Calais, même les gens ont expliqué là, ils ont certaines organisations là-dedans, mais m'a rappelé que M. Gagnon a opéré à tout. Il a gagné une organisation qui est très forte et très sophistiquée. Très sophistiquée. Il a gagné un propre système de renseignement payo et qui est efficace. Puisque la police peut mener en opération non-zone, il a même gagné une information et il a préparé en conséquence. Et souvent, la police arrivée, il a fait échec. À la police. Parce que, on a la police, c'est comme un guérilé. Oui, comme un guérilé. Parce que, il y a un système d'enseignement par eux. C'est un enseignant eux-mêmes. Entre 25 000 gouttes de salaire et 100 voilà. 000 gouttes pour information, le 100 000 gouttes est plus rentable. Exactement. Attends, est-ce qu'on pensait, Bois-Calais, qu'arriver à atteindre efficacement système ça que nèg yo gen parce que c'est un système qui veut mettre que yo gen un an là comme ça yo gen deux ans là comme ça yo gen tout temps yo gen un et ou senti yo confortable du lieu où ils sont vraiment confortables. Mon problème est fort confortable parce que nous parlons du lieu qui t'est créé qui a protégé toujours. Oui, parce que il y a des monde là, il y a des monde qui a la prière que oui, parce que s'ils parlent leur téléphone peuvent parler. Donc, il y a plus de monde qui peut, là. Parce que les téléphones sont parlants. Qu'on contrôle que, il n'y a pas qu'à prendre un message sur certains côtés, mais les téléphones sont parlants. Donc, il y a moi qui est sous la communiquer. Donc, il y a peur. Chiguera l'a dit où? Il n'y a pas de libérateur. Seul le peuple se libère. Et où rendons-nous compte, malgré les rumeurs, en guillemets, ou les autres contre-ordres qui semblent être passés, que pas maltraiter Mounio, mener au bail la police, c'est Rio Rio. Où est la police un petit peu moins présente ces derniers 24 heures dans la rue? Parce qu'on dit qu'il y a les autres autorités qui passent l'ordre, dit la police, pas sorti. On dit qu'il y a les autres autorités qui passent l'ordre, saisis clé blindéo. Ben, le roi, il doit prendre la rue encore. Est-ce vrai? Est-ce faux? Mais ce sont les mauvais signes qui vont le faire que aggraver cas de violence, population civile, là, sur certaines personnes. Et moi, si on nous compte de ça, le mouvement Bois-Calais, hein, on ne va pas le faire pourcentage, même j'ai avec le nombre de monde qui est issu, qui est kidnappé, violé. On ne va pas rendre compte qu'un pile moun yo prend, ce ne sont pas, en guillemets, de vrais bandits. Ce sont les informateurs, ce sont les transporteurs de balles, ce sont les transporteurs d'armes.
Qui sait où prendre plusieurs machines. Ben, vous êtes un homme qui a passé à paire, en bas à paire, des armes et munitions. Dans le langage haïtien, vous prenez pile Twitter. Deux, trois jeunes femmes, vous prenez un sac à dos, c'est des jeunes femmes qui ont gagné des balles ou des armes dans le dos, d'avoir le poté commission. Souvent, nous comptons ces derniers temps, l'action, la pression, poté plus sous informateur, sous mon cap poté, qui ont semblant, mon qui pas poté les bandits, qui a poté l'enfant, bah, ça, y'a plus quoi, pas oublier ça, nous avons un fort taux dans l'alphabétisme, mais nous avons une population qui est très formée en matière de combat, de survie. Et dans quoi que la population en rende compte, s'il pas gourmet, pas bien la vie. Ouais, pas ouais. Biden, tout le monde pas venu Biden. Ouais, pas ouais. Les expulsions massives de la République dominicaine, c'est 29 000, 30 000 par mois. Tout le monde pas qu'à joindre Biden. Nos mêmes familles, on m'a qu'à bidé pour deux, trois, mais restons là. Nous rendons compte tout que l'avenir est là. L'avenir est là. Même près des quartiers périphériques qu'on organise, c'est de la guerre merveilleux. Il y a une m'avait dit, population rivée reconnaître le vrai policier du mauvais policier. Ouais, le policier de quartier s'associe à la population de ces quartiers pour organiser. Ouais, tentative qu'a fait là échoué. Tentative pour Henri Muller, Avenue Muller, échoué. Ce n'est pas de la police. Ce sont des citoyens, peut-être, qui sont policiers, qui associés à la population, sont notre défenseur. Et moi, c'est là que Sagarité dit un truc intéressant. Le Bois-Calais peut être porteur d'une lueur, peut-être que le cas porteur tout de période sombre. Si nous quittons aller vers la dérive. Ou pas qu'à bloquer. Mais comment continuer à lancer les messages? Que c'est parce qu'on monte sans papier que l'obligatoirement on m'a dit. Si je n'ai azam, ou je n'ai équipé la justice populaire, oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nos pays où le pouvoir constitué pour dire qu'on a juge, ben on verdict, moun sa yo pa ka juge, au lieu de faire un recours par rapport à la Cour de cassation ou par rapport au Conseil supérieur du droit judiciaire, le recours a été fait au niveau de l'exécutif. Donc ça veut dire que le pouvoir exécutif vient de tuer le peu de respect qu'on pouvait avoir pour la justice dans ce pays. On a un commissaire qui tout lui-même le connaît bien. On va dire maman, maman mourir, maman mourir. Maman là, maman mourir, maman pas bon. Pour le commissaire Gadou, c'est révélé, acheter un cas 4 000, il est passé 4 500 000 dollars américains dans l'immobilier. Alors, je ne sais pas, mais mon petit, je ne sais pas, mon frère. Une bolette, les gars. Une bolette. Moi, je n'ai pas un boulot, tout mon cher. Je dis ça avec toute impunité. Il est toujours là. Mais il y a eu un rapport. Même si vous estimez que le rapport peut contenir des failles, il fallait une mise en disponibilité immédiate. Le minimum. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas assassiné seulement la justice dans ce pays avec cette décision. On a lapidé cette justice. On a brûlé cette justice. Alors, on pensait que la population n'a pas rendu compte de ça. Qui est-ce qui va l'arrêter pour remettre la police là? Qui est-ce qui va le marier là pour remettre la police là? Mounsa a arrêté plusieurs fois tout. Alors, professeur de Misa, est-ce que l'IPA ou des gens, mouvement Bois-Calais ou des gens fragiles, et parce que contrairement à vous-même, mes spirites, pas mal tendés, qui considèrent le mouvement comme un mouvement organisé, moi, plus souvent, un mouvement spontané qui. C'est le résultat de l'inefficacité de l'État, de l'absence de l'État pour sécuriser la vie mounio, bien mounio, parce que mounio, dans une situation de colère contre l'action bandit qui a kidnappé, qui a violé
tuer. Puisque l'État n'est pas venu pour mettre l'ordre, pour garantir la sécurité, bon, écoutez, de manière spontanée, on déclic. Bon, c'est des déclics là, c'est une machine qui est avec tout pile bandit qui a des armes, etc. Et simultanément, quelque part, il y a une question, comment ça s'appelle, Debussy. Bon, c'est pratiquement selon les informations, c'est Debussy qu'on a parlé. Debussy a commencé à 2h du matin. Voilà. Et puis, la crise, le déclic a eu lieu de 2h du matin à 9h du matin. Mm-hmm. Debussy toujours subissait la loi des bandits. Mm-hmm. Il y a eu ce déclic à 8h, 8h, 5, 8h, 10 mm-hmm. au Canada Vert, mm-hmm. qui a servi le déclic et qui justement. A servi la résistance à la résistance. Justement. Donc maintenant, est-ce que... On va avoir mon nom, du haut de mes 67 ans. Mm-hmm. Je questionne toujours le spontané des actions, mm-hmm. la spontanéité des actions en Haïti. Pour moi, il y a eu un mûrissement. Mm-hmm. M'a dit déclic là, pas spontané, non. Mm-hmm. Mais pour moi, il y a eu un mûrissement. Il y a eu une préparation. Face à ça, il fallait réagir. Alors, face à la cruauté des bandits. Oui, face à la cruauté. La cruauté des bandits. D'accord. Mais d'accord. Pour moi, il y a eu une prise de conscience. Ça, d'accord, celui. Ça, d'accord. Nous d'accord, celui. Mm-hmm. Et pour moi, c'est pour faire que nous-mêmes deux, on vient de parler de nous. Mm-hmm. C'est à l'intérieur même de ces quartiers. Commencer à poser problème de l'autodéfense. Ça avait commencé à Delma 32, mm-hmm. à Thomas 32. Timidement. Mais violence était tellement faute de la part de Timakak, l'éteint ni tout fait. Mm-hmm. Alors, vous pensez que des Thomas 32 de toute zone ça, c'est seulement la police qui établit l'ordre? Oui, la police en gros, qui a eu cette action. Mais aider de la population. Tu as dit, mais quand on y est, mais quand on y est. Et police devant, peuple derrière. Alors, c'est comme ça là, policier Saint-Marc. Fais la rue, défiler dans la rue, fais pas à pied, fais pas à moto, à gâchère, derrière. Oui. Alors là, c'est, il y a eu, c'est pour déclic, moi, là. Le déclic a été qu'elle avait. Mm-hmm. Mais pour moi, il y avait déjà une prise de conscience. Il y avait même, pour moi, une prise de parole. Nous pas qu'à continuer comme ça, n'a pas peine. Mais, professeur, mais ça m'a voulu dire que, obligatoirement, les gars, unicité le vu. Mm-hmm. Pas oublier, nous avons une histoire, notre révolution est née du maonnage. Mm-hmm. Et chaque bonne maon s'organisait à sa manière. Mm-hmm. Il lui fallut Boukman, Jean-François, Biassou, pour venir mettre mon yoshit ensemble. Il n'y a pas qu'on chit ensemble tout. Chaque monde a défendu quartier. Mais il y a une prise de conscience, quartier après quartier, qui était prêt, qui était intérieur à réaction. Est-ce que vous ne pensez, professeur Dumisa, si élite, alors, moi je me dis qui a influencé, c'est-à-dire, je ne dis pas occupant l'État, puisque vous avez gardé dans le comportement de l'État, vous avez une volonté, vous avez une vision pour faire des choses autrement. Est-ce que si le mouvement Boakalia, si le mouvement est récupéré, je ne parle pas de l'État, cette violence désorganisée, incontrôlée, moi-même, je le constate, puisque justement, et ou qu'arrive dans une situation côté que colère et capacité pour contrôler, il y a deux mondes qui ont attaqué. Non, dynamique de revanche. Donc maintenant, est-ce que s'il n'est pas arrivé, l'État en tout cas, pas récupérer, ça veut dire pour permettre un minimum de connexion entre l'État, minimum de connexion, de confiance entre l'État, c'est que c'est quelque temps qu'on méfiance, hein, qu'on écart entre l'État et la population, parce que la population va faire l'État confiance, justement, mm-hmm. par rapport à la mission qu'il n'a pas accomplie. Donc, est-ce qu'on peut penser que l'État a avancé vers le pire, en réalité, que et amélioré la situation que tout le monde attend pour que qui t'a gagné comme amélioration dans la question sécurité? Il m'a privé pour le moment aucune forme de conclusion, parce que le mouvement est neuf. Mon point nous dit là en plusieurs fois, ce mouvement peut être porteur d'espoir, créateur d'espérance, en même temps tout. Mais comment? Parce qu'il faut regarder comment, puisque nous-mêmes, comme on a réfléchi, il faut anticiper tout mouvement. Ah, mais il faut regarder comment il apporte d'espérance, d'espoir, tout. Mais c'est ça, qu'il a pas porté. C'est ça, mais c'est fait là. Justement, justement. Attends, moi-même, j'ai des principes dans les que monsieur Goumen. Et principe vient de principium, qui veut dire au commencement. Moi, je pense qu'il faut se battre pour les principes. Mais vous êtes un moment où,
ou obligé de mettre principe en parenthèse devant des événements aussi crus, devant des événements qui étaient arrivés tout pisi, avili, majorité en population. La boutique difficile pour tout le monde applaudit ce qui a passé. On peut applaudir l'action, mais on peut ne pas applaudir les actes. Mais je me dis souvent, 107.7 FM stéréo, l'autre est pibiti, bon groupe l'école, captisonné. Chaque fois sur l'école, faut pour un siade ou un zoclo, Marco, ou pour un siade ou un zoclo. Bon, l'autre sur l'école, mais qui plus qu'on est, il faut un siade ou un ou un zoclo. Ou t'y adviennes que vous, m'bakal pi bak que ça m'bakal pas m'ho. C'est ça qui est là. Je ne pas dire que vous fassiez pas plus fort parce que vous même ça vous gagne. Parce que c'est Machette. C'est Roche. Et la connaissance de leur quartier. La connaissance de leur quartier. Et je te connais sympathisant. Parce qu'en dans même pauvreté, dans un quartier pauvre, il y a un cap qui vit plus bien que l'autre. Et là, il y a un cap qui vit de manière arrogante. Et quand il y a un consacré de demain, ou après, il y a un faux souci, faux zone, l'habiller bien, ça pas garder d'elle que l'elle entrée, c'est son pire rayon à l'domi. C'est ça que déshumanisation entre nous. Donc cette prise de conscience peut être porteuse d'espoir. Mais il faut nous prendre temps pour nous comprendre. Moi-même, je pense que c'est plus grave qui arrive au gouvernement ou de certains hommes au pouvoir, c'est l'usure. L'usure contre obligatoirement la fatigue. En pile monde dans le gouvernement s'est usé, fatigué. Il faut arriver à trouver ce nouveau dynamisme. Une bague de solution, mais comment le trouver? Comment parler à cette population en colère? Est-ce qu'il est capable de... Elle est en colère, et maintenant, elle a aussi peur. Donc, elle va devenir de plus en plus violente. Elle avait peur, maintenant, elle vit dans la terreur, parce qu'elle a annoncé au Cap Vinsouli. Alors, c'est là, oui, c'est là, professeur Demisa. Ou une population qui, avec exerçant violence, encore une fois, j'insiste, incontrôlée, désorganisée. Donc, il y a des menaces et qui planait sous tête li, ça va permettre que le vin plus violent. Est-ce que violent ça? Est-ce que qui côté la mine? Parce que son violence comme si ou pas qui contrôle li. Ou ça c'est ça. Donc ma grande peur moi-même. Oui, nous il y a quoi voir? Moi nous son population t'a vive de la peur la plus totale. Subitement il y a un ensemble de facteurs externes à mon nom. Nous posons acte, l'attaquer. C'est elle qui l'attaque, elle doit rendre compte de danger auquel elle a fait face là. Parce que l'attaquer, main nue, tandis que l'autre est même équipé. Elle fait. Elle prie dans le mouvement, elle continue de nettoyer parce qu'elle dit ça a pas d'espoir. Quand elle rend compte que mon n'a pas attaqué, il y a des médias sociaux, il y a des médias traditionnels, qui va au droit à la parole pour dire attention, nous ne pouvons qu'aller, même si. Zambalé. Et tel, on ne peut pas aller vous, non. Pas pour nous aller bon, pas pour nous manger ensemble, pour nous aller bailler une leçon. Ils avaient peur, maintenant ils vivent de la terreur. Donc ils ne peuvent plus s'arrêter. Ils n'ont plus le droit de s'arrêter. Parce qu'ils sont, ils étaient déjà condamnés. Maintenant, ils sont devant le peloton d'exécution. Et c'est dans ce sens, ça, mon content approche. Cette violence spontanée qui est en train de prendre forme peut se désorganiser face à la peur. Et le Sahara, les innocents, on va les compter. Est-ce qu'il n'est pas partant désorganisé? Ah! Est-ce que c'est... Pourtant, est-ce qu'elle n'est pas désorganisée? Moi-même, toute question me pose. Est-ce que ça peut arriver que... Moi, j'ai pris une fouille. Ah, il y a pas mon exemple. Mon fouille à quel.
Je sortais les cailles, je me fouillais. Ben, monsieur, jeune homme qui a fouillé, aucune forme de violence, aucune forme d'arrogance. Monsieur, excusez-nous, on prend une situation payante, nous décidons d'éviter bandits rentrer dans la zone. Mm-hmm. Nous faisons ni en allant, ni en retour. Nous ne pas les bandits sauter dans le sud pour aller dans l'ouest pour pas avoir de problème. Mm-hmm. Nous ne pas les bandits sauter dans l'ouest pour venir dans le sud. Faut un petit là, pour organiser une circulation aimable. Nous prenons quatre déjà, la police nous prend pour nous. Là, on en face encore de gentleman. Tout à fait. Mm-hmm. De respect de la vie. Hein. Mais pendant tout le temps dans l'île, là, son grand inquiétude me gagne. Si on prend un bandit, monsieur commet acte là, l'a tiré. Mm-hmm. Combien d'innocents t'as doit passer là? On n'a pas voulu plus ça. Mm-hmm. Dans toute sa rente de t'as pourri. Et c'est inquiétude ou c'est inquiétude tout le monde? Mm-hmm. C'est inquiétude tout le monde. Et c'est laissé au moins nous, quoi, tout. Que, Maronet, j'aime tout le monde, il y a des rumeurs qui disent que le gouvernement a demandé à la police de faire retrait, de faire marche arrière. Si la police continuait, faire marche arrière réellement et faire retrait. Sans bonne. Pas bien limite. En bonne réflexion. Pas bien limite. Projet de mise à. En bonne réflexion pour que au moment de la police fasse marche arrière par rapport à ça. C'est soit en bonne réflexion pour la population qui a continué à faire travail là, soit ils ont en collusion à gang, ils ont dit retirer. Et la police pour gagner un petit bout de manchette, un petit bout de roche, un petit bout de bâton, de façon pour gagner à exterminer. Si nous avons gagné à reprendre le pouvoir, exterminer la population, ça qui est nous fini. On va pour bien pour laisser analyser. Nous fini. Nous fini. Si nous avons gagné à reprendre du poil de la bête, mm-hmm. et qui a attaqué la population civile, c'est fini. Mm-hmm. Qu'on s'aime pas où, qu'on gagne Biden, qu'on gagne Johnson, qu'on gagne Kennedy, qu'on gagne Nixon, allez. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans grand souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel. On sous plus gros plateforme, plus mon plateforme. Plateforme qui est là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui est là pour le bon bagaille, Jean Yoyia. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont à remettre et qui sont plus tôt. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.